Bonjour les amis, comment allez-vous? Hello les amis. Alors aujourd'hui on est où? Alors on se dirige, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire plaisir à mon petit chéri. Donc on va aller voir la pierre écrite. Ouais. Qui se trouve à Saint-Genest, c'est ça? Voilà, tout à fait. Pas loin de Sisteron. Qui était magnifique d'ailleurs. Ouais. Et puis après, là on se dirige vers la chapelle. Du Dromont et suivi de Théopolis, c'est ça. Ah, pour ceux qui connaissent l'histoire de Théopolis, je vous invite à consulter les vieilles cartes de France qui sont... C'est indiqué sur ces cartes-là, Théopolis. Et Théopolis est marqué sur la pierre écrite qui a été faite par les Romains. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Voici les amis, la pierre écrite qui est juste là. Et par ici les amis, vous avez un parcours à faire de la pierre écrite. Il y a à peu près 2h15 de marche. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous garer là, par là-bas, ou là où on a mis notre voiture. Pour voir, vous comprenez que tranquillement. Et on est à 1020 mètres. Allez, on va s'asseoir un peu sur le banc pour se reposer. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la crypte chapelle de Notre-Dame de Dromont qui se trouve par ici. Et vous voyez cet affarement en rocheux, on se mettra un peu plus loin. C'était là qui était l'emplacement de Théopolis. Bon voilà les amis, on est à la chapelle du Dromont. Et là on va aller visiter cette chapelle. Et après on s'éloignera un petit peu pour vous faire une vue d'ensemble du coin. Magnifique. Théopolis et la cité des dieux. Merci à Jimmy Guilleux, étant petit, il nous a tous émerveillés par ses contes et légendes. Oui à la fiction, oui à la réalité. Quand on connaît notre histoire, elle est très riche. Allez, c'est parti. C'est parti. Par ici, les amis. La piste, vous voyez, elle est bien balisée. Facile d'accès. Allez, c'est parti pour 3 minutes de petite marche tranquille.
On n'y arrivait pas ici. Et la chapelle, elle est devant, à 10 mètres à peu près. On la voit dehors. Bon, bah, Notre-Dame de Dromont, sur un arrêté préfectoral, il est fermé. Il y a des dates d'ouverture, donc on ne peut pas aller visiter la crypte. Mais sur le panneau d'entrée, quand vous descendez le petit chemin, il y a la pierre qu'il faut voir en bas, et le pylône aussi. Regardez-moi ce beau paysage. Waouh! Alors logiquement, il y a une ouverture ici et on peut l'observer. Bon ben les amis, comme j'ai un manche télescopique, je vais voir si je peux glisser la caméra dans l'ouverture. Allez, c'est parti. J'espère que je vais voir comment tenir les choses à l'intérieur. Alors, est-ce que je peux voir? Oui, apparemment, ouais. Mais pas sans plus. Il faut que je revienne. Allez, la caméra vers moi. Et que je plie un petit peu le sens d'orientation. Voilà. Mais de nouveau, allez, séquence exploration, les amis. Ouais, on voit bien. Génial. Bon, ben, j'espère que j'ai réussi à capter quelque chose. Ça pourrait être sympa. Ma femme, logiquement, elle a réussi à faire des belles photos avec le pilier. Et je sais qu'il y a une crypte encore en dessous. Et on peut faire une photo, logiquement, de l'autre côté. On va aller voir ça. Bon, on est arrivé au second petit passage. On peut glisser la caméra dans le trou pour voir si on voit la seconde partie de la crypte. Allez, c'est parti. Ouais, on voit bien, j'ai le retour sur la caméra. Nickel. Bon ben je suis content, on a pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en plus le cadre, regardez-moi ça. C'est très très joli. Magnifique. Là, on est juste au-dessus de la chapelle du Dromont. Avec son belvédère, le rocher qui est juste là. La chapelle qui est ici. Et regardez-moi, oh, le paysage, il est magnifique. C'est délicieux. Waouh, 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 waouh. Il n'y a pas un village ici. Le panorama du Dromont, les amis. Coucou, comment tu vas? Ah, je te filme avec ce beau paysage derrière toi, là. Eh oui, on est en admiration. Surprenant, hein? C'est magnifique, hein? Ça, c'est du pays, là. Et il est en plus, cet endroit, il est bien caché, hein? Ça se mérite. La montagne de Mélan en face de nous. Ouais. Au sud, la colline Saint-Joseph. Ouais. Et au nord, l'ensemble des terrains jusqu'à la base de la montagne du Trénon. Ça monte haut là.
quasiment jusqu'à 2000 mètres, je crois. Pas loin. Ouais. 2000, pour être exact, 2115 mètres. Ah ouais? Ah non, il y a la montagne de Mélan, dit Cluchette, 1708 mètres. Ah ben non, mais c'est moins ça. Ouais, c'est moins haut, mais il faut le faire à pied quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le plus haut, 2115 mètres. Et là, en face, les amis, si vous voyez la roche noire, sur ma carte de randonneur, il y a marqué qu'en hiver, quand il pleut fortement, il y a de belles cascades à faire ici, là, à voir. Donc, il faut qu'on repère les parcours à faire à pied pour aller voir ces belles cascades. Alors les amis, nous avons pris la voiture, on s'est garé près de la borne d'incendie pour voir le beau paysage. Le rocher du Dromont est juste là, le rocher le Sabot ça s'appelle. Et logiquement, Théopolis était adossé à cette colline. Et seuls les gens qui étaient dignes de rentrer dans Théopolis pouvaient rentrer. Et sur la pancarte de la chapelle du Dromont, ils ont fait un livre sur l'historique de Théopolis, quoi, les écrits qui se sont parvenus jusqu'à nous. Mais sinon, le cadre il est très agréable. C'est beau de partout. Oui, je t'écoute. Tu me crois si je te dis qu'au sommet du rocher là-bas, ouais, il y a un homme. Ouais, il y a quelqu'un au sud du pic là, juste là. Mais je viens de zoomer, vous savez ce qu'il est en train de faire? Ouais. Il est avec sa guitare en train de chanter. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. T'entends quelqu'un chanter au loin, c'est lui, il est avec sa guitare. D'accord. Ah, il chante pour les dieux alors. Ah, pas mal, hein. Bon, les amis, on s'est légèrement garé un peu plus haut pour vous montrer la belle vue qu'on a d'ici. Parce qu'en fin de compte, on était pas loin des vaches, en fin de compte, et on était cerné par des milliers de mouches, c'était pas du tout agréable. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Voici le rocher du Dromont et le rocher de Sabot. Et dans les anciens textes, c'était marqué comme quoi qu'il y avait une cité tout en haut. Oui. Et au bout de ce rocher-là, le rocher du Dromont, il y a un monsieur qui joue avec sa guitare et on entendait d'abord au niveau des vaches. Il est en train de s'éclater. Et regardez-moi le beau paysage qu'on a ici. Là, on est au-dessus des montagnes qui se trouvent vers Sisteron. Et c'est un pur régal. Franchement. Qu'est-ce que t'en penses? On coupe la vidéo? Oui. Bon allez, on va couper la vidéo. Ça sera une autre histoire. La prochaine fois qu'on va vous reprendre. On vous réserve encore des sacrées surprises. Oui, parce qu'aujourd'hui on avait juste ça à vous montrer.
Ouais, j'y ai pas mal. Il faut monter par-dessus, mais c'est un autre parcours. Ouais, parce qu'on peut visiter le Sabon, on fait le tour de, du rocher du Dromont. Et l'autre côté, en fin de compte, là, ici, c'est tout plat. Mais l'autre côté, c'est complètement éclaté. Plein de gros rochers de partout. Allez, on vous dit à très bientôt et abonnez-vous, lâchez des commentaires et portez-vous bien. Ciao, 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 les amis. Ciao, 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 ciao.